un grand, grand bonheur. Alors, merci à Jérôme qui a été présent, à Julien qui a été présent, à Bouziane qui ont été présents. C'était... Ah, le son a coupé. Alors, il y en a qui me disent que le son est bon et d'autres que le son n'est pas bon. Alors, je ne sais pas. Alors, dites-moi si le son est bon maintenant. Salut à toi. Alors, voilà. Aujourd'hui, une petite thématique qui sera sur un petit tabata de 20 secondes d'exercice pour 10 secondes de récupération. Alors, on va être basé sur le moyen fessier, sur le grand fessier et puis sur la sangle abdominale à nouveau. Alors avant de commencer, je rappelle qu'il est important, merci, le son est revenu donc je commence. Donc, il est important pour tous les exercices, hyper important. Tout ce qu'on va faire, on va rapporter le bassin en antéversion, le périnée remonté, on imagine que on met du 40 et je vous donne un pantalon en 38 et forcément, vous devez le remonter. Hop. Donc, je remonte mon pubis, mon nombril, je le colle, en imaginant, complètement à la colonne vertébrale. D'accord? Vraiment, les exercices, c'est ici. Je veux vraiment ramener vers l'intérieur. On dit, nous, on a un jargon qui fait qu'on ravale nos organes. Zing. Ici. Il faut vraiment qu'on fasse ce genre de choses, d'accord, pour tous les exercices. Très bien. Alors, on va commencer. Allez, je donne dans une dizaine de secondes. Donc, il y aura plusieurs exercices. Il y aura des exercices qui vont se faire au sol, ok. On va s'allonger sur le dos. Les exercices que vous avez là, vous pourrez les refaire chez vous à partir de demain ou après-demain, puisque je les mettrai sur ma page, sur ma chaîne YouTube, hein, trois fois, Kader Chemnel, le coach santé, et puis elles seront déjà un petit peu travaillées, donc tout ce qui est en latente, là, tout ce qui est discussion, vous ne l'aurez plus, hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, n'oubliez pas de vous abonner, et puis de me mettre un petit j'aime en dessous. Si vous ne trouvez pas l'abonné, c'est pas grave, sur ma page, vous avez ce logo-là, simplement, il suffit de cliquer dessus, et puis ça fonctionne. Ok, alors on va commencer les thématiques. Je vais regarder si je ne suis pas trop loin. La première des thématiques, ça va être on fait à l'échauffement, hein, les enfants. Vous regardez, vous comprenez et vous faites. Alors, c'est parti, moi je me mets. Merci Céline, le son est bon. Ok, alors c'est étonnant parce qu'il y en a qui me disent que le son est bon. C'est sûrement votre connexion qui n'est peut-être pas bonne. Alors regardez bien, ce qu'on va faire, la première des thématiques. Vous regardez avant les enfants. Ici. Ici, la tête est bien positionnée, ok, bassin levé, donc avant, j'inspire, je ravale mon nombril, zing, je remonte ma fermeture éclair, je lève mon bassin, pied droit levé, je vais monter simplement pendant ces 20 secondes, le bassin le plus haut possible, et pousser le plafond avec mon pied. Attention, je descends et je remonte, je descends, je remonte, je ne touche pas le tapis, je peux mettre mes mains, je ne touche pas mes mains, d'accord? Ok, pendant 20 secondes, à droite, on relâche, on montera, 20 secondes à gauche, on relâchera, et la deuxième série, eh bien, on fera 20 secondes au-dessus, et on restera en isométrie au-dessus, 10 secondes, ici, et on prendra 20 secondes, on relâchera, 20 secondes, 10 secondes en isométrie. Est-ce qu'on essaye un petit coup? C'est parti. Allez, vous vous mettez sur le dos. Allez, vous vous mettez sur le dos. Bien positionné. Alors, on va le faire simplement 10 fois. À droite, levez le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez les fesses au sol, posez les pieds. Jambe gauche levée, bassin levé, montez, descendez, montez, descendez, montez, descendez, montez, descendez, montez, descendez, montez, descendez, soufflez, changez de jambe. Montez le pied droit en l'air, regardez bien, vous montez le pied droit en l'air, le plus haut, vous redescendez sans toucher le tapis, remontez, descendez, remontez, descendez, remontez, maintenant isométrie 10 secondes, vous restez bien haut, montez les fesses sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les fesses au sol, posez votre pied, inspire, ramène ton nombril, tu tends la jambe gauche, je la monte 10 fois, 1, 2, 3, ben, on le fera pendant 20 secondes, stop, vous restez en l'air, vous restez bien dans l'air, complètement, très bien, ok, alors vous revenez vers moi. Très bien, on aura le chrono, hein, après. Alors regardez bien,
je vous ai dit que la thématique aujourd'hui, hein, c'est le fessier. Petit, moyen fessier et sangle abdominale. Ici, on va se mettre face à moi, vous regardez. Ici, je plie ma jambe. Et puis, regardez bien, ma pointe de pied est relevée. Donc, je relève ma pointe de pied. Ma pointe de pied va vers le sol. Donc, ici, j'étire complètement mon fessier. D'accord ? Si je pose mon pied au sol, j'ai aucune incidence à part sur le fascia lata. Ici, je retourne ma pointe de pied. Et là, je lève pendant 20 secondes. Pendant 20 secondes, la récupération, ça sera en l'air pendant 10 secondes. On relâchera, on reviendra de l'autre côté. Alors maintenant, vous pouvez le faire. Posez votre pied au sol. Posez votre pied au sol. Pointe de pied au sol, le talon levé. Talon levé. Allez, c'est parti. Pour que ce travail-là se fasse correctement, vous mettrez votre main au niveau de votre hanche pour bien sentir que votre jambe est complètement vers le bas. Encore. Ouais. On reste en l'air. Allez. Très bien. Vous relâchez, vous soufflez. Regardez bien maintenant. Regardez bien. Alors. Alors, si le micro est trop fort, je vais le baisser un tout petit peu, mes amis. Je vais le baisser un tout petit peu, je suis à vous tout de suite. Pour l'exercice suivant. Là, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est compliqué, non. Vous êtes capable de faire, hein. Ça pose pas le problème. Regardez bien. Regardez bien. Je vais faire côté gauche pour que vous puissiez bien comprendre. On va travailler sur le fessier. Ok. Alors, regardez bien. Ici, je vais lever ma jambe. Je vais lever ma jambe. Écoutez bien et comprenez bien. Bonjour Samuel, bienvenue. Ici, c'est sur le fessier que je vais travailler. Ma jambe est levée. Ici, je suis à l'expire. Je vais descendre pour poser ma pointe de pied. Mais voyez bien, mon genou, je vais me mettre en face. Hein. Mon genou, il est à la hauteur de l'autre genou. Et ici, je vais le remonter. La volonté, c'est d'engager les fesses vers l'arrière. Mes fesses vers l'arrière, mon genou va être à la hauteur de l'autre genou. Mon pied est posé au sol. Et ici, je remonte. Je descends vraiment mes fesses en arrière. Je me mets face à vous. Genou levé, ici mes fesses sont en arrière, je descends, je pose quasiment ma pointe de pied au sol, et vous voyez mon genou est à la hauteur de l'autre genou. Ce sont mes fesses que j'engage derrière, hein. Vraiment cette volonté d'engager les fesses derrière, vous descendez, poussez les fesses en arrière, vous remontez, poussez les fesses en arrière, complètement, le dos est bien droit, pointe de pied, et vous remontez. Ça va chauffer un petit peu. On change de côté. Allez. Levez la jambe gauche. Vous descendez le plus bas possible. Et vous remontez. Les fesses complètement en arrière. Les fesses en arrière. Regardez bien. Les fesses sont très très loin. Le pied il se pose légèrement au sol. Et là vous remontez. Descendez. Remontez, descendez, remontez, merci, descendez, remontez. Là, on verra, on le fera, hein, je vous dis, 20 secondes et on coupera 10 secondes. On se met maintenant sur le dos, à nouveau, et puis là, on va mettre les deux pieds par terre, et c'est simplement le bassin que je vais faire lever, ici, sans qu'il touche le sol. Donc, les deux jambes, je suis dans l'alignement. Mes deux genoux sont dans l'alignement de mon bassin. Je ravale mon périnée. Je me positionne correctement. Je lève. Je relâche. Je lève. Je monte bien haut. Hein. Je cambre pas le dos. Hein. J'ai ravalé mon nombril. Je dépose. Je lève. Vous faites. Vous en faites 5. Faites-moi 5 et puis je vous regarde faire. Allez, vous descendez, vous remontez. Les deux jambes. Tout à l'heure, on avait monté la jambe. Maintenant, on ne la monte pas. Hein.
Ok. Très bien. Alors. Ok. Alors, ici, on va faire jambes fléchies, deux jumps. Donc, un, deux. Ici, je fléchis ma jambe. Le but, c'est d'emmener mes fesses complètement en arrière. Une, deux, les fesses vraiment en arrière. D'accord? Ici, ma jambe est fléchie. Mes fesses sont en arrière. Ici, je veux étirer le moyen et le grand fessier. Une, deux, vous allez loin derrière. Jump, loin derrière. La fesse est loin derrière. Encore. La fesse est loin derrière. Encore. Alors ici, on est en opposition, hein, bras-jambe. Hein, on est bien d'accord. OK? Très bien. Alors, on arrête. Alors maintenant, on va se mettre. Attention, ça va être un petit peu plus dur. On va travailler donc sur le moyen fessier et on va travailler sur les grands droits. Vous regardez, c'est pas évident, hein? On le fera après. On a un petit peu de temps là. Regardez bien. Pour l'instant, les jambes, elles peuvent être fléchies. À l'inspire, je ravale mon nombril. Mes mains sont à la hauteur de mes tempes. OK? Au plafond, je vais dessiner un ballon de rugby. Donc, c'est ovale. Regardez bien, je vais lever simplement ici mes grands droits. Je vais tourner pour dessiner ce ballon. Quand je vais devant, je lève ma tête, je la pousse complètement à droite, je vais complètement derrière. À gauche, je lève pour faire cet ovale. Vous voyez bien qu'il n'y a que mes grands droits qui travaillent. D'accord? Ici, mes grands droits travaillent. Loin sur le côté, loin derrière. Vous mettez les mains sur. Alors, bien sûr, je ne tourne pas tout entièrement mon buste. Hein. Mon buste ne travaille pas. Il n'y a simplement que mes grands droits. Ma tête est levée. Mes bras sont parallèles au sol. Je vais à gauche. Je monte devant. Je vais à droite. Je vais loin derrière. À gauche. Je monte à droite, loin derrière. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez retenir votre tête. OK. La deuxième phase, les jambes seront tendues. Les jambes seront tendues. On y va, on le fait avec les jambes tendues. Tête un petit peu levée, on est à 10 cm quasiment du sol. Allez, vous avez dessiné un ovale. C'est parti. Gauche, je monte. Droite, derrière. Gauche, je remonte. Droite, derrière. Vous avez ravalé votre nombril. Vous sentez que votre dos est collé au sol. Vous êtes à l'expire. Soufflez bien. Encore, on fera ça pendant 20 secondes. Et on coupera. OK, ça vous va? Ouais. Ouais, apparemment ça vous va. Très bien. Ici, on va se mettre les mains derrière la nuque et on va engager ici le genou gauche au niveau de mon coude droit. Je vais tendre et ramener. Je suis à l'inspire. Ici, j'ai ravelé mon nombril, mon positionnement correct et bien mis. Et vous ramenez. Une fois à gauche, une fois à droite. Une fois à gauche, une fois à droite. Encore une fois? Oui. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que tout le monde est prêt? Il est écart. Je regarde si j'ai eu des commentaires. Joël, je suis en retard. Alors, Joël, je voudrais que toute la communauté qui depuis un mois est avec nous, faites-moi des pouces pour me dire que tout va bien. Joël, je voudrais te dire quelque chose parce que tu n'étais pas là hier. Happy birthday to you, happy birthday to you, Joël. Happy birthday to you, Joël. Happy birthday to you. À vous tous en cœur. Encore? Bravo. Merci, Joël, des gros, gros, gros bisous. Je sais que tu n'as pas pu être là hier. OK. Est-ce qu'on est parti? Alors, Vincent, il me dit que mon micro est trop haut. Donc, je rappelle que je félicite et je remercie
mon partenaire TimeProd pour le prêt de son matériel. Ok, tout le monde sur le dos. On va monter la jambe droite pendant 30 secondes. Tu me dis, je l'ai remonté. Allez, c'est parti les petits loups. Vous vous mettez sur le dos. Attention le périnée. Remontez votre périnée. Ok, périnée remonté. La tête bien calée. Attention, le menton, il est proche du plexus solaire. Vincent, j'ai fait ce que tu m'as dit. Tu me diras si c'est bon ou pas. Inspirez. Ramenez le plexus, le menton au plexus solaire. Levez le bassin. Pied droit en l'air. C'est parti. Top. Allez, montez, descendez. Allez, vous n'hésitez pas d'inspirer, d'expirer. Encore les petits loups. C'est parti. Allez, vamos. Oh, j'ai oublié de faire ma présentation. Vous voyez ce que vous me faites faire? Encore. On a 18 secondes. Encore. Poussez. Poussez. Vous descendez pas. Hein, vous remontez. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Déposez, soufflez. 10 secondes. On va faire la jambe gauche. De 1, montez la jambe, les fesses aussi. Les fesses ne touchent pas le sol. C'est parti pour 30 secondes. Allez, je monte. Montez là-haut. Montez le plafond. Montez le plafond. Encore. Encore les petits loups. Encore. 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 Oui. 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 15 secondes. Encore. Encore. Montez. Encore. Soufflez bien. Soufflez quand vous montez, inspirez quand vous êtes en bas. Encore. 3, 2, 1, déposez. Attention, on y retourne. Donc on fait 3 fois de suite, on y va. Pied droit levé, 30 secondes, c'est parti. Allez, montez, descendez, montez, montez, encore, montez. Vous allez sentir que vous allez avoir des crampes sur la jambe qui est fléchie au sol. C'est normal, vous inquiétez pas, ça va partir. Allez, on monte encore. Encore, 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 encore. 5, 4, 3, 2, 1, déposé, soufflé. 10 secondes, on y va sur la jambe gauche. 3, 2, 1, montez. Allez, ça monte plus haut. Montez là-haut, encore. Encore les petits loups, encore. La tête est bien positionnée, attention, le nombril est ravalé. Les fesses montent le plus haut possible. Encore les petits loups, ça commence à chauffer. Ouais, c'est génial. Allez, encore. 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 15 secondes. Montez. Les fesses ne touchent pas le sol, d'accord? Les fesses ne touchent pas le sol. Le bassin est ravalé sur 5, 4, 3, 2, 1, 10 secondes. On y retourne pour une fois. Allez. Soufflez bien. Prêt? 4, 3, 2, 1, top. Allez, je monte. Allez, montez. Le bassin ne touche pas le sol, les petits loups. Allez, une. Encore. Montez. 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 Encore. Souffle bien. Souffle. Allez. Allez. Allez, restez bien positionné. Toujours bien positionné. Si vous en faites moins, ce n'est pas grave. Si vous devez sauter un exercice, ce n'est pas très très grave. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, soufflez. Posez 10 secondes, on y va pour l'autre jambe. Allez les enfants. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, montez. Oui. Montez les fesses, montez les fesses. Allez, la thématique, c'est le fessier aujourd'hui et les abdominaux. On va préparer cet été. Vous allez être galbé, musclé, un fessier d'acier. Alors oui, j'ai pas dit, hein, je viendrai contrôler hein, pour tout le monde. Hein. Voir si on a vraiment bien travaillé. 4, 3, 2, 1, vous soufflez. Vous soufflez. 10 secondes. Maintenant, attention, on va lever, mais quand je serai 10 secondes, au bout de ces 20 secondes, je reste 10 secondes en l'air, en isométrie. Ok? Attention. Levez la jambe. Prêt? Dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Levez. Allez, 30 secondes. 20 secondes, vous montez et 10 secondes d'arrêt. 30 secondes de travail.
Allez, je vous dirai à 5 secondes, on restera en isométrie en l'air. Les fesses ne collent pas le sol. Le bassin, il est bien en rétroversion. J'ai ramené mon périnée vers moi. Je suis à 15 secondes. Montez encore, encore, encore. Vous sentez vos grands droits maintenant. Vous commencez à connaître hein, maintenant les muscles. Attention, 5, 4, 3. Vous restez en l'air. 2, 1, montez en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous pouvez. 7, 8, 9, 10, déposez, soufflez. Très, très bien. Félicitations. On y retourne. Attention, l'autre côté, on change de jambe. On restera en isométrie pareil. Dans 5, 4, 3, 2, levez la jambe. C'est parti, ça monte. Allez. Allez les enfants, c'est parti. On y va. Attention Pauline, hein, je te regarde. Hein. Tu restes bien dans l'alignement. Ton bassin, tes épaules. Et tu montes bien haut le fessier. Allez, les autres, c'est pareil. Vous montez, vous montez. Dégagez bien la base de votre dos. Vous êtes dans l'alignement, vous soufflez bien, votre tête est bien calée. Allez, encore, attention. 5, 4, 3, 2, 1, vous restez en l'air. 1, 2, 3, 4, oh, ça commence à chauffer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous déposez. 10 secondes, on y retourne. Pied droit, soufflez, soufflez, pied droit levé. Alors pour ceux qui ne peuvent pas, vous ne faites qu'un tour, hein, c'est pas grave. Ou deux. Vous soufflez bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Encore, encore. Alors, 15 secondes. Encore, encore les petits loups. 5, 4, 3, allez, top, on relâche, vous soufflez, on reste en l'air 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous posez, vous soufflez, 10 secondes, on y va de l'autre côté, 10 secondes, soufflez bien, 4, 3, 2, 1, jambes levées, 1, allez, c'est parti les enfants, allez, vous montez. Montez les fesses, montez les fesses, montez les fesses. Encore, les jeunes, ils diraient, montez votre boule. Allez, montez. Encore, vous voulez un fessier d'acier, vous voulez des cuisses d'enfer. Allez, on y va, on y va. Allez. Moi, je veux impérativement que celui qui vous tape sur les fesses, il se casse un ongle ou un doigt. Oh, 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 quel bonheur pour moi. Oh, encore. Top, relâché. Soufflez, 10 secondes en l'air, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous relâchez. Dernier tour. Ouais, super ça. On y va pour dernier tour. 10 secondes à droite. Dans 4, dans 3, dans 2, dans... C'est parti, montez. Encore, encore, lève, lève, encore. Allez, on y va pour 20 secondes. Allez, 20 secondes, 10 secondes en l'air. Encore. Pousse plus haut le plafond, pousse. Monte tes fesses, encore. Monte tes fesses, je vous vois faire. 5. 4, 3, 2, 1, là-haut, très très là-haut, 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 tout là-haut, là-haut, montez le plafond avec votre talon, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, déposez, relâchez votre bassin, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jambe gauche, c'est parti, 1, allez, vous montez, encore, encore, c'est parti les petits loups, c'est parti les petits loups, allez, vous montez, montez, montez le bassin, montez le bassin, montez, montez le bassin. Allez, 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. En l'air. 1, 2, plus haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous soufflez. Ouais, génial. Ouais, superbe. Vous soufflez, on ne boit pas un coup tout de suite. Hein. Alors, ici, on rappelle. On se met sur le côté. La jambe qui est au sol est fléchie, la jambe qui est devant, non seulement elle est tendue devant, mais elle est pointe de pied, donc le talon est levé, et on y va pour 20 secondes, on est prêt, c'est parti, encore, coucou tout le monde, je vous vois, c'est juste un bonheur, allez à gâteauiller, viens vite ma chérie, allez, 3 fois, 1, 4, 2, 1, on... ici,
change de côté, tout de suite. Après, vous aurez compris qu'on restera en isométrie là-haut. On est prêt? Allez, ça monte, allez. Jambes tendues devant, ici. Vous sentez que vous étirez sur le moyen fessier et le grand fessier. Allez, ça monte. Si ma pointe de pied est tournée, oui, alors on sent bien ma rotation du fessier. Allez, les petits loups. Après, on se retournera, hein? Allez, encore, encore. Encore pointe de pied posée au sol. On relâche, on tourne. Voilà, regardez, vous tournez sur vos fesses de façon à toujours me voir. Allez, c'est parti, top. Allez, allez, regardez-moi les enfants. Allez, ma jambe au sol est fléchie. Ici, j'ai une torsion au niveau donc de ma jambe, forcément, et de mon petit fessier, de mon malien et de mon grand fessier. 5, 4, 3, 2, 1, vous ramenez. Retournez. Ici, l'exercice n'a l'air de rien, mais je peux vous assurer qu'il est efficace. Encore. On fera deux tours hein, pour les prochains. Car le temps nous manquera. Allez, pointe de pied, pointe, pointe. Encore, encore, encore. 5, 4, 3, 2, 1. On retourne. Voilà. Alors maintenant, on reste 10 secondes en l'air. Hein. On fait une fois à gauche, une fois à droite. On est prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, jambes tendues, 19, 20 en isométrie. Ici, bien, bien levé. Salut Hervé Jean. Hervé, comment tu vas? Allez, 1, 2, pointe de pied au sol. Vous remontez le plus haut possible. 9, 8, 7, 6, 5, ça chauffe ici. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on tourne vers moi maintenant. Attention, pour que l'exercice soit bien fait, pour qu'on travaille bien sur le fessier, il faut que la jambe, elle soit ici. Si elle est ici, ça ne sert à pas grand-chose. C'est devant qu'elle doit être. Et maintenant, relevez. On est parti? Allez. C'est parti. Allez, encore. Encore, encore. Allez, allez les enfants. Allez. Oui. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Oui, oui, je sais que vous travaillez le fessier là. C'est du bonheur. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Remontez votre pied, vous tenez 10 secondes. 10, 9, plus haut. Plus haut. Ah, ça, ça doit bien vous tirer là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super, soufflez, déposez, on va se mettre debout. L'exercice suivant, vous souvenez, on va se mettre debout et on va rester en appui sur un pied. Regardez bien, ici moi je vais commencer pied gauche. Ici, la volonté c'est d'engager les fesses en arrière. Je pousse mes fesses en arrière et j'emmène mon genou à la hauteur de mon autre genou, simplement. Mais ce sont mes fesses que je pousse en arrière. Et je remonte ici en stabilité. Je redescends en arrière. Je pose légèrement, j'effleure le sol avec ma pointe de pied. Le genou est à la hauteur de l'autre genou. Par contre, je pousse mes fesses en arrière. Et je remonte. On est d'accord? On fera deux tours. Est-ce qu'on est... Ok. Vous êtes prêts? Ok. En place. Genou levé. Expire. C'est parti pour 30. Hein? Expire. Pousse tes fesses en arrière. Pousse tes fesses. Pousse tes fesses, tu remontes. Expire. J'expire, je pousse mes fesses en arrière, je remonte. Je stabilise correctement. Genou, genou. Pousse tes fesses en arrière et tu remontes. Allez, ça fait 20 secondes. Oui, ça tire sur la jambe opposée, forcément. 4, 3, 2, 1. Tu remontes. Ah oui. Alors, on change de jambe, les enfants. Allez. C'est parti, vous descendez sur votre jambe. C'est pas gentil de rigoler, Hervé. Hein? Bon, toi, tu es au boulot, tu me diras. Moi, je suis un passionné. Ici, je lève mon genou gauche. Je pousse mes fesses en arrière. Poussez vos fesses en arrière. Tac, vous posez, vous remontez. Je suis à l'expire. Je descends. Je pousse mes fesses en arrière le plus loin possible. Poussez sur vos fesses et vous remontez. Allez, encore. Top, vous remontez. Stop, on change de jambe. Prêt?
Hein, vous avez bien compris que ce sont les fesses qui vont en arrière. Hein, c'est ciblé le travail d'aujourd'hui. Hein. Poussez en arrière, vous remontez. Dès que vous sentez que la pointe de pied touche le sol, alors vous remontez. Poussez, remontez. Vous soufflez. Posez, remontez. Vous êtes à l'expire. Les fesses en arrière, touchez le sol, remontez. Vous descendez, 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 les fesses en arrière, poussez, remontez. Encore. Vous poussez, vous remontez. Encore, encore. Vous poussez, vous remontez, vous occupez pas de ce que je fais. Je mets le câble, stop, on change de côté. Allez, on change de côté de suite. Allez, pointe de pied levée. Pointe de pied levée. Oui, 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 c'est exactement ça. C'est une arrivée de 400 mètres à vitesse. On remonte. On descend, 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 et on remonte. Vous avez vu les amis, je vous disais hier soir, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de monde. J'ai enclenché le chrono, hein, les enfants. Oui, Aurélie, viens travailler ton fessier avec nous. Allez, je disais qu'hier soir, on a eu du monde, du beau monde en live, avec beaucoup d'athlètes internationaux. C'était juste du bonheur. Et là, on en a encore quelques-uns. Et on remonte. Et vous soufflez. Très, très bien. Alors maintenant, c'est les jumps. Alors, on rappelle le jump. Le jump, deux fois à droite. Pardon, Kader. 3xwlecoachsanté.com. Une, deux. Ici, je fléchis. Alors, regardez, je vais me mettre sur le côté. Une, deux. Je vais emmener mes fesses complètement le plus loin possible. Ma jambe avant est fléchie. Une, deux. Ma jambe arrière est tellement loin que mon fessier est complètement tendu. Une, deux. Et vous poussez loin. OK ? Je me mets face à vous. OK. On est OK ? Une, deux. Tendez. Une, deux. Oh, faites attention de ne pas glisser sur le tapis. Alors. Une, deux. Tendez. Une, deux. Poussez les fesses en arrière. Poussez les fesses en arrière. La jambe avant, elle est fléchie. On va toucher son pied avec sa main opposée. On touche ici, hein. On touche le pied. On pousse les fesses en arrière. Et la jambe complètement en arrière est tendue. Encore. Plus que 5 secondes. Encore les petits loups. Fléchissez. Poussez les fesses en arrière. Poussez les fesses en arrière. Encore. Encore. Sur 5, 4, 3, et on s'arrête. On souffle 10 secondes. On y recommence. Hein? Coucou Sylvie. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Alors, vous avez vu, 1, 2, quand je suis pied droit, donc ma main va toucher ma pointe de pied. Ici, je suis fléchi, mais mon pied arrière est tendu hein, pour travailler mon fessier. 1, 2, ici, je tends vraiment. Ok, c'est parti. Top. Touché. Allez, encore. Pauline, tu rigoles, j'espère. Hein? Continue à inspirer. Expirez. Touchez la pointe de votre pied. Les fesses bien loin derrière. Encore. Moitié du temps. Encore. Touchez bien. 3, 2, 1, top. Soufflez. Allez, on souffle 10 secondes. Soufflez 10 secondes, on y retourne une fois. Hein? Allez, sur 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, touchez les fesses en arrière. Les fesses bien loin derrière. Loin les fesses, loin, loin, loin. C'est la thématique du jour. Encore. Encore. Encore les petits loups. Si vous pouvez pas faire de jump sauté, vous le faites en marchant. Ça ne me pose pas le problème toujours. Hein? Encore 10 secondes. Soufflez. 4, 3, 2, 1. Super. Tout le monde au sol. On va maintenant fléchir les deux jambes, et c'est le bassin que je vais monter. Allez, alors regardez bien. Sur ces 10 secondes, j'ai besoin simplement
Je me cale. J'emmène ma tête vers l'avant. Le plexus reçoit mon menton. Je lève mon bassin. Hein, donc j'emmène le pubis là-haut. Et quand je suis à l'expire, je redescends. J'effleure le sol pour remonter. Ici, je verrouille. Je descends. J'expire au-dessus. J'inspire. Attention, je recommence. Quand je suis en bas, je remonte mon périnée, je remonte mon bassin. Hein, je remonte, je ravale mon nombril. On y va pour 30 secondes. Prêt. Top. Monte. Verrouille. Relâche. 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 Monte un petit peu plus haut. Oui, relâche. Monte un peu plus haut. Relâche. Monte. Relâche. Monte. Alors inspire quand tu montes, expire quand tu relâches. Monte. Relâche. Monte. Relâche, tu souffles 10 secondes. Tout à l'heure, dans l'autre séance, on restera en isométrie en l'air. Alors, on refait le même exercice. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, vous montez, verrouillez, relâchez. 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 Encore. Soufflez, je vais vous entendre inspirer par le nez, expirer. Montez, corrigez, corrigez le bassin, ramenez le bassin vers vous. Non, le bassin vers vous, ravalez votre nombril, très bien, descendez. C'est bien, je vous vois faire, hein. Descendez, montez bien haut les fesses, bien haut, descendez. Top, vous soufflez. Attention hein, les enfants, j'ai besoin d'avoir la correction, hein. Votre bassin doit se mettre en antéversion et je ramène mon nombril à ma colonne vertébrale. Attention, je vais monter pendant 20 secondes et je vais rester 10 secondes en l'air, c'est parti. Top. Allez, t'inspires, tu expires. Inspire. Expire. Inspire, verrouille. Relâche. Inspire, verrouille. Relâche. Inspire, verrouille. Relâche. Allez. Encore. Encore. C'est bien. Il n'y a aucune force au niveau des articulations. Il n'y a uniquement le fessier, le moyen fessier, le grand fessier. Je vous rappelle cependant, quand même, attention, dans 5, 4, 3, 2, 1, vous restez en l'air. Vous montez le plus haut possible durant 10 secondes. Ah, vous sentez vos fessiers, hein, là, ça fait du bien. C'est du bonheur pour cet été. Vous allez rentrer dans un maillot de bain. Je ne sais pas si vous n'allez pas changer de taille. Oh là là, ça va être juste magnifique. Ce maillot de bain, il va vous aller. Ça va être juste du bonheur. Avec des fesses d'acier. Oh là 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 là. On redescend pour 10. Remontez. 20 secondes. Monte. Verrouille en l'air. Verrouille en l'air. Allez, encore. Oh là là, que vous allez être belles, mesdames et messieurs. Ça va être juste un bonheur. Allez, encore. Encore, vous sentez vos fessiers. Hein, je vous avais promis que c'était une séance Tabata fessier. Vous montez, vous verrouillez. Encore. 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 Prêt? On reste en l'air. On reste en l'air maintenant 20 secondes. Vous relâchez, vous soufflez. Vous soufflez tranquillement. Le bassin bien positionné. Attention, vous levez vos fesses. Levez vos fesses, s'il vous plaît. Oui, ça chauffe. Oui, je sais que ça chauffe. Allez, montez, 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 montez. Montez sur 6, sur 5, sur 4, sur 3, plus haut, 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 plus haut. Sur 5, sur 4, sur 3, vous sentez où sont vos fesses? Ah, si vous ne saviez pas, je vous rappelle, elles sont là. Vous descendez, vous expirez, vous soufflez. Très bien. On va faire le dernier exercice qui est relativement compliqué et après on boira un coup. Et je vous dirai au revoir, mais pas tout de suite. Hein, on n'a pas fini. Alors... Salut mon Toff, il y a longtemps que je t'ai pas vu. Alors regardez bien. Vous regardez, vous comprenez, vous conscientisez, seulement après vous faites les enfants. Tout à l'heure, pour travailler le fessier, je vous disais que je levais mon pied gauche. Mettez-vous à côté du tapis. Hein. Je vais lever ici mon pied gauche et puis je vais tendre. Donc c'est ce qu'on faisait. Hein. Ici, jambe levée, fléchie. Je poussais mes fesses en arrière, parce que c'est la thématique. Les fesses sont en arrière ici. Et regardez bien maintenant, je vais tendre ma jambe en arrière et la ramener.
pour remonter. Je recommence. Je lève ma jambe. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez vous aider avec un mur. Mais la force, il faut qu'elle soit ici, au niveau du fessier. On est d'accord? Alors, pour ceux qui ont un mur, je monte pour ceux qui ont un mur, qui ne tiennent pas très très bien, l'équilibre. Voilà, le travail, c'est celui du fessier. Ma jambe est levée. Je vais pousser mes fesses en arrière. Je pousse mes fesses en même temps que je descends mon genou et que je tends sur ma jambe en arrière. Dès qu'elle touche le sol, je ramène ici. Attention, c'est ma jambe que je ramène ici pour pouvoir me remonter. Ok? Alors, on y va? Pour 20 secondes. On y va doucement pour 20 secondes. Jambe levée. Je descends. Poussez les fesses en arrière. Poussez les fesses en arrière. Genou à la hauteur de l'autre genou. Tendez la jambe le plus loin possible. Elle touche à peine le sol, elle revient, genou, genou, et vous remontez. Ok? Allez, c'est parti. Je descends. Loin derrière. Loin derrière vos fesses. Posez, remontez le plus doucement possible. On fait une halte au niveau des deux genoux. Je descends. Genou, genou. Tendez la jambe en arrière. Tendez, tendez, tendez les fesses en arrière. Ok, vous ramenez genou, genou. Et on change de côté. Ouais, superbe. Eh oui, la thématique n'est pas évidente. Il fallait bien que je trouve quelque chose aujourd'hui. Genou levé. Je descends. En même temps que mon genou se plie, je l'emmène le plus loin possible derrière. Ici, loin derrière. Jambes tendues. Poussez vos fesses. Tac, je touche le sol. Je ramène. Mon genou. Genou, genou. Je relève, ici, je l'expire, je descends, je tends ma jambe en arrière, mon fessier est tendu en arrière, tendez, 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 tendez le plus loin possible, jambe tendue, posez au sol, ramenez le plus doucement possible, ramenez à la hauteur de l'autre genou, et vous remontez ici. Je descends, genou, genou. Plus les étirements sont faits lentement, plus les exercices sont faits lentement, plus vous recrutez un maximum de fibres, plus vous travaillez l'explosivité. Ici, je travaille l'explosivité du moyen et du grand fessier. Il n'y a pas besoin de charges très très lourdes. Ici, on est à travail de poids de corps. Genou, genou, vous tendez votre jambe, posez et vous remontez 10 secondes. Vous soufflez. 10 secondes et on recommence sur l'exercice là. Allez. 8, 9, 10. Genou levé. Pour ceux qui veulent, vous vous tenez à une chaise, à ce que vous voulez. Vous descendez, genou à la hauteur de l'autre genou. Tendez votre jambe, tendez votre jambe. Touchez le sol, ramenez au genou. Vous remontez votre jambe. Descendez. Genou, tendez la jambe. Tendu. On ramène. J'espère que ça te plaît toujours, Pauline. Genou, genou, tendez la jambe. Alors, je ne sais pas si, Pauline, tu as demandé à tes copines de venir aussi au cours. Tu me rediras plus tard. Genou, genou, tendez la jambe. Genou, et on remonte. Super, change de côté. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, je m'éclate, c'est vraiment du bonheur. Alors, genou levé. Allez, je tends ma jambe, je fléchis l'autre également. D'accord? Et je pousse ma jambe loin derrière. Donc, mon bassin est loin devant. Je touche au sol et je ramène le plus doucement possible. Plus l'exercice est fait lentement, plus il va recruter de fibres. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Vous voulez travailler sur le fessier? On le travaille et vous remontez. Ici. Et voyez, en plus, je suis synchronisé bras-jambes. Je descends. Tac, je pose et je remonte. Vous êtes à l'expire, vous descendez. Posez, vous remontez. Vous remontez. Encore une fois. Encore une fois. Et vous remontez. Ok, on y retourne. Allez. Non, on va s'arrêter sur celui-ci. On va faire maintenant le dernier, avant qu'il ne soit bien trop tard. On va partir en mode bicyclette, donc on va se mettre sur le dos. On va se mettre sur le dos.
Alors, ici sur le dos, regardez bien. Je ravale forcément mon nombril. En premier, je le fais toujours. Hein. Je ravale mon nombril. Voilà. Ici, si je tends ma jambe droite, c'est mon bras droit qui va à mon épaule gauche. Ici. Donc, mon genou droit, coude gauche. Je ramène à zéro. Ici, je suis en opposition. Donc, mon coude droit avec mon genou gauche. Je remonte. Ici, je suis à l'expire. J'emmène. Je ramène. Quand je tends ma jambe, j'emmène mon coude. Je ramène. Encore. Ramène. Ramène. Ramène, dépose. 10 secondes. On y va pour 3, 2 fois comme ça. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Gauche. Tu ramènes. Droite. Tu ramènes. Encore. Ramène. Tu sens que ça t'étire sur les grands droits. On n'a pas besoin de faire de crunch. Vous pouvez tirer sur les grands droits, sur les obliques et surtout sur les transverses, mesdames. On est en perte de poids, donc de graisse. On remuscle, on se redessine la silhouette en travaillant sur notre taille, vu qu'on travaille sur les grands droits. Déposé, soufflé, relâché. Très bien. Je vais mettre ma main. Je vais en biaiser hein, parce qu'il sera trop tard. Ma main sur mes tempes, les deux jambes tendues, je relève la tête, je dessine un ballon de rugby, c'est parti. Je lève la tête, je fais un ovale, je monte devant, je vais à droite, derrière le plus loin possible. Vous sentez les grands droits, gauche, montez devant, droite. Faites-moi un joli ovale de ballon de rugby, gauche, devant. Tenez votre tête si vous avez un peu mal. À droite, il n'y a pas de raison d'avoir mal. Je tire ma tête en arrière. Je dessine un grand ovale, je remonte. Quand vous remontez, vous sentez vos grands droits, génial. À droite, loin derrière. À gauche, montez. Vous sentez vos grands droits quand vous montez? À droite, loin derrière. À gauche, au-dessus. À droite, loin derrière. À gauche, au-dessus. À droite, loin derrière. Vous sentez hein, que vous travaillez. C'est du bonheur. Je n'ai pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin de vous emmener à faire des exercices de fou, mais simplement des exercices efficaces. Vous posez pendant 10 secondes et on y retourne. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on y va, c'est parti, on dessine l'ovale depuis le derrière à gauche, devant, je dessine bien l'ovale, devant, la tête est relevée, vous restez ici, tête relevée, on est à 10 cm du sol, les coudes sont parallèles au sol, les abdominaux sont contractés, le périnée est relevé, super, on va à droite, on remonte, à gauche je suis à l'expire, je monte devant moi. Je reste ici. Replace ton bassin. Cale-le ton bassin. Serre tes fesses. À droite. Serre tes fesses. À droite. Derrière. À gauche. Devant. Périnée remontée. À droite. Remontez loin derrière. À gauche. Devant. Remontez. À droite. Loin derrière. À gauche. Remontez. À droite, loin derrière, relâchez. Relâchez, vous soufflez. Maintenant, vous allez étirer les bras, c'est l'étirement maintenant. Les bras loin derrière, les pointes de pied loin devant, très très loin. On se grandit et on s'étire comme si on était attaché par les mains et par les pieds. Vous vous tendez pendant 10 secondes, vous êtes prêts? Dans 3, dans 2, dans 1. Tendez. 9, 8. Progressivement. 9, 8. 7, 6. Le plus loin possible. 5. 4. 3. 2.
relâchez. Posez les mains au sol. Bougez votre bassin. Bougez votre bassin à droite, à gauche. Relâchez. Emmenez maintenant les genoux à la poitrine et vous basculez une fois à droite, une fois à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche. Vous emmenez les genoux à la poitrine pour libérer la base de la colonne vertébrale, donc la sacro-iliaque. Vous l'emmenez vers vous. Allez, emmenez les genoux vers vous et vous libérez la sacro-iliaque. Vous devez quasiment un petit peu sentir une onde. C'est la colonne vertébrale qui laisse la place à l'ondulation de vos lombaires. Encore, encore, encore. Allez, on va filer maintenant à gauche et à droite. Allez, on libère le bassin. On emmène les genoux complètement sur la droite. On les fait tomber. Ici, moi, je suis sur la gauche. J'ai dit sur la droite, mais c'est pas grave, parce qu'on va revenir de l'autre côté. Allez. Maintenant, les bras sont en croix et vous regardez à l'opposé. Les bras sont tendus. Vous remontez les genoux. Vous les reprenez avec vos deux mains. Vous les emmenez à nouveau à la poitrine. À l'inspire, vous écrasez votre poitrine avec les genoux. À l'expire, tu relâches. Inspire. Relâche. Inspire. Relâche. Inspire. Relâche. Pose tes pieds au sol. Attention, ne levez pas vos têtes, vous ne faites que de m'écouter. Maintenant, vous allez simplement désolidariser donc votre bassin du sol. Simplement, quand je vous le dirai, maintenant vous calez simplement votre menton au niveau de votre plexus solaire. Vous ravalez votre nombril. Ouais, super. Levez votre bassin. 5 cm au-dessus du sol, pas plus. 5, 4, 3, 2, 1. Déposez. Vous mettez votre main gauche à la hauteur de votre épaule droite pour vous enrouler. Simplement. Voilà. Super. Encore une belle séance, du moins j'espère pour vous. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Merci d'avoir participé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, puisque c'est la fin du cours. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager à nouveau cette page Facebook. Et puis sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver cette vidéo que vous pouvez refaire. Vous avez compris que l'essentiel de l'activité, c'est de recruter un maximum de fibres. Il n'y a pas besoin de se faire mal tant la correction est présente. Vous avez compris qu'il fallait ravaler votre nombril. Pour le ravaler, il fallait simplement remonter votre périnée et ramener dans l'imaginaire votre nombril collé au niveau de la colonne vertébrale. Tous les exercices se font lentement et avec beaucoup, beaucoup de souffle. N'hésitez pas à me mettre des pouces, n'hésitez pas à me faire des bisous, n'hésitez pas à me rejoindre demain. J'espère que la séance vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai encore plein d'autres idées à vous faire découvrir. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Je ferai des lives la semaine prochaine à partir de 17h. Je garde cette tension et lundi soir, à nouveau, un live discussion. Alors venez participer, hier c'était très très enrichissant. Même si vous n'avez pas, de questions, bien si vous n'osez pas poser vos questions, vous pouvez simplement écouter les réponses. D'accord ? Je vous embrasse bien fort, je vous donne rendez-vous demain et puis passez une très très bonne soirée. Et maintenant, vous pouvez consommer de l'eau, beaucoup d'eau. À bientôt mes amis, merci pour tout, je vous embrasse. Merci à vous, merci, merci. Merci pour moi, c'est juste du bonheur de vous avoir. Si ça vous plaît.